que j'ai essayé de montrer dans ce roman autobiographique, enfin, il ne faut pas se mentir, ce roman autobiographique, c'est beaucoup ma vie. C'est à la fois une jeunesse complètement perdue, une jeunesse souffrante, un peu désespérée, d'un jeune homme qui rate son bac, qui à la fois est avec une jeune fille qu'il adore, et puis un jour il se rend compte qu'elle le trompe d'une façon épouvantable. En plus, il a des souffrances sociales, il se sent complètement rejeté, il se sent une sorte de demi-solde. Et puis, dans cette jeunesse tellement difficile et passionnée, eh bien, il va faire une rencontre. Et cette rencontre va avoir une grande importance dans sa vie, puisque ça va être avec Jean d'Ormesson. Voilà, donc c'est... Et ce livre, disons, tricote entre le passé assez lointain, donc à l'âge de 17 ans, mon héros à 17 ans, mon héros qui est moi, bon, mais avec quelques petites nuances, mais enfin, vous savez, quand on parle de soi et de son passé, c'est forcément un roman. Et donc, et ça va, ce livre va tricoter, si vous voulez, entre le passé assez lointain, donc cette première rencontre avec Jean d'Ormesson, ce monde dont je rêvais, et ces difficultés que je connaissais, à la fois sociales, intellectuelles, et cette espèce de désespoir qui me poursuivait. Et puis, finalement, le miracle qui se produit, le miracle grâce à la culture générale, c'est-à-dire cette vie un peu bizarre où je me suis retrouvé, finalement, non pas un paria, comme j'imaginais que j'allais le devenir, mais finalement... à l'Académie française, et puis rencontrant des gens extraordinaires. Non seulement l'amitié avec Jean d'Ormesson, mais François Nourricier, Maurice Reims, Jacques Vergès, enfin voilà. Donc le livre est à la fois une histoire d'amour un peu pathétique, parce que cette jeune femme, qui est à la fois très belle, mais a une blessure, et il y a un peu de pitié dans cet amour, et en même temps il y a de la souffrance, parce que cette jeune femme est très volage. Elle passe son temps à faire souffrir le héros, c'est-à-dire moi, et il souffre horriblement d'être trompé. Et je continue d'ailleurs à souffrir, parce que je n'ai jamais cessé finalement d'être fidèle à ce jeune homme qui rêvait finalement de s'exprimer, d'exprimer son désarroi dans l'écriture, dans la littérature. Voilà. Donc à la fois, ce jeune homme est très lointain, mais en même temps très proche. Et voilà, ce livre est peut-être une sorte de retour sur moi-même, mais avec ironie, distance et beaucoup d'humour. Voilà, je n'ai pas voulu faire un livre. C'est un livre à la fois, à certains moments, un peu pathétique, parce qu'il y a des moments graves, des moments... Mais en même temps, j'ai voulu le traiter avec cette distance de l'humour et essayer de regarder ma vie avec une sorte de sourire. Et puis c'est vrai que l'importance qu'a eu Jean d'Ormesson dans ma vie m'obligeait à avoir cette pétulance et ce sourire. Alors si j'ai choisi pour le titre de ce livre une phrase de Jean d'Ormesson, c'est qu'il me l'a adressée dans des circonstances qui sont un peu pathétiques. J'ai eu une crise cardiaque il y a un an, et au moment où Jean d'Ormesson lui-même était malade, il était opéré d'un cancer, et nous étions donc à l'hôpital au même moment, pas au même endroit, et il a su donc que j'avais eu cette crise cardiaque, et il m'a adressé cette phrase « Ne pars pas avant moi ». Et je trouvais ça tellement beau, tellement émouvant, et puis c'était tellement, si vous voulez, ça exprimait au fond toute cette longue liaison amicale entre lui et moi depuis l'âge de 20 ans, où il a incarné pour moi, vraiment l'écrivain que je rêvais de devenir, et puis toutes les qualités que je n'avais pas, qualités d'intelligence, de culture, des examens extraordinaires, puisqu'il avait été agrégé de philo à l'époque où je ratais mon bac, vous voyez, vraiment c'était inouï, et puis en même temps, socialement, il incarnait finalement une sorte de prince des lettres, et donc d'être devenu son ami, d'avoir vécu beaucoup de moments intenses que je raconte dans ce livre, en Corse, en train de se baigner, à préparer mon élection à l'Académie, qui était
complètement fantasque. C'est pas du tout quelque chose d'ennuyeux. C'est pas du tout des parties d'échecs austères. Non, au contraire, on s'amusait beaucoup, on allait se baigner. Et puis je raconte aussi des à Val d'Isère, un séjour extraordinaire avec lui où je l'avais entraîné et où nous avions fait une conférence. Vous l'avez cité des poèmes et ensuite à Val d'Isère. Tout le monde passait son temps à réciter des poèmes. On n'en pouvait plus, c'était terrible. Dès qu'on voyait quelqu'un sur les pistes, il arrivait en train de vous réciter son poème. Voilà. Donc je raconte ce côté à la fois fantasque, cocasse, et en même temps fervent, parce qu'au fond, ce qui nous a liés, Jean d'Ormesson et moi, c'est peut-être une même conception de la vie, une conception un peu, souriante, ce qui n'empêche pas d'avoir été que cette entente se soit faite aussi sur quelque chose de grave, qui est la littérature.